Excuse-moi, président, mais il faut que je te parle. À ton nom, ils parlent tous et une autre personne parle. Ils disent des fantômes politiques, paraît qu'ils suivent ton programme. Mais toi qui as des idées de nous exclure de la gamme. Tu veux savoir, président, pourquoi pour nous ça marche pas. Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Tu te rappelles, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours. Pauvre. Non, Jean Beidou, tu n'as pas à t'inquiéter. Ces pauvres ne se révolteront jamais parce qu'ils ne savent pas quoi revendiquer. Quand Sinda il faut, Sina il faut goûter Kalahawi. L'industrie minière de ce pays n'est pas leur préoccupation première. Qu'ils soient dominés, trompés ou écartés, ils n'exprimeront jamais leur déception. Ils sont excessivement occupés par des discussions sans intérêt, des rencontres sans lendemain, sans oublier le comment trouver, quoi manger. Pour se révolter, M. Gambeidou, il faut s'unir, se préparer. Mais ils sont éparpillés, perdus ou dépassés par leurs problèmes de survie. Leur seule occasion de se rencontrer, c'est les fadas des jeunes, les mariages et autres baptêmes. Et même quand ils se révolteront, M. Gambeidou, ils se tromperont de but parce qu'ils n'ont pas une vision commune. Bien qu'ils aient un destin commun pitoyable, ils s'en prendront à leurs semblables parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. L'avenir, c'est nos enfants qui sont dans des meilleures écoles et dans des meilleures conditions. Nos enfants sont nés pour gouverner ces pauvres, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Une dernière chose, M. Gambeidou, pour maintenir un pauvre dans sa pauvreté, montre-lui les chemins des croyances. Ainsi, il t'oubliera. Tout malheur et même son manque de volonté, il le verra comme émanant de la volonté supérieure. En attendant la miséricorde, il connaîtra la misère sans jamais se pendre à la corde. Excuse-moi, président, mais il faut que je te parle. À ton nom, ils parlent tous et une autre personne parle. Ils disent des fantômes politiques, paraît qu'ils suivent ton programme. Mais toi qui as des idées de nous exclure de la gamme. Tu veux savoir, président, pourquoi pour nous ça marche pas. Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Tu te rappelles, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours, ce sont les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur l'autre toit, ces fillettes n'ont pas.